Nous sommes Andrew et Chloé. On nous appelle aussi Monsieur et Madame Sucré. Nous vivons et respirons voyage depuis maintenant 2 ans. La Réunion en 2021 est la destination qui nous a le plus marqué. La rencontre avec les locaux, le partage des cultures et les paysages à couper le souffle. On a décidé de déménager sur l'île. Une nouvelle page blanche est à écrire et on aimerait la partager avec vous. Qu'est-ce que vous faites, madame? Vous quittez la Réunion? Vous faites vos valises? Vous vous barrez? Et coucou, comment? Et comment il est? Oh, ma coucou, vous allez bien? Les gars, c'est le matin. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo comme ça, un peu en face cam, où on raconte notre vie. Mais là, on était obligés parce que aujourd'hui, très gros changement pour nous. On va quitter notre appartement à Saint-Louis. Ça y est, c'est officiel, on quitte notre appartement à Saint-Louis. On a trouvé une maison à l'entre-deux. Du coup, moi, je serais vraiment rassuré quand on va signer le bail quand même. Mais bon, on a trouvé une belle maison à l'entre-deux. On a fait la visite il y a quelques semaines, il y a quasiment 2-3 semaines. Et là, du coup, on prend les clés là début avril. Donc, on est très content, on a hâte. Donc, on a passé le week-end là à faire du rangement. Je vais vous montrer. Ça, c'est toutes nos valises, toutes nos affaires. C'est vraiment la merde. On a quelques cartons, mais là, apparemment, il y a toute notre vie. Donc, Chloé, elle a pas fini d'enlever ses affaires. Là, il lui reste encore une valise. Alors, comment vous sentez-vous ? Bien, je suis contente. Juste organisation. Genre là chérie, tout ce qui est genre brosse à dents, se laver et tout, on dort là-bas le premier jour, donc là faut absolument les prendre. C'est ça, faut absolument les prendre, ouais. Ou alors on reviendra quand même aujourd'hui, on fera un aller-retour aujourd'hui. Je pense qu'on fera un aller-retour aujourd'hui, mais on prend quand même le maximum d'affaires pour ça rentre. Non voilà, je suis en mode organisation dans ma tête. Voilà. Moi je vous le dis, et pour ceux qui habitent à la Réunion, vous savez comment c'est très compliqué d'avoir un logement. Alors là on s'est sauté, dès qu'on a vu la maison qui a été parfaite pour nous, franchement, j'ai hâte de vous la montrer parce qu'elle est vraiment très cool. Et je pense qu'on va plus s'installer un an là-bas, voire deux, parce qu'elle est vraiment sympa. Et dès qu'on l'a vu, on s'est dit non, faut qu'on l'ait. C'est obligé. Ouais. Qu'est-ce que c'est que tes cheveux blancs là? C'est du shampoing sec, chérie. Il n'arrive pas à s'y faire, ce shampoing sec. Elle a des cheveux blancs, je comprends pas. Vous m'expliquez? Du shampoing sec. L'explication est là, je te l'ai dit. C'est du shampoing sec. M'expliquez ou c'est pas pour là? Pour écarter un maximum le plus les shampoings. Putain, elle est chiante. Qui est chiant là, tu fais? J'ai même pas fini de me préparer, que tu filmes déjà, chérie. On aura vécu des choses ici. On aura vécu des choses. Fini Saint-Louis, fini la palissade. Fini le goal. Allez, c'est parti. D'abord les grosses valises, non? Et après, on pose le sac. J'ai transpiré, oui, effectivement. Premier aller-retour à faire, donc on vous montre la maison en même temps. On va faire l'état des lieux, mais là c'est déjà pas mal vide hein, par rapport à tout à l'heure. C'est pas mal là déjà. Mais c'était toutes les grosses valises là qu'on a chargées dans la voiture. C'est ça. Donc, et après, ce sera que des sacs. C'est ça. Deux allers-retours très larges. Ok, bah let's go chérie. Let's go. On a rendez-vous à 10h, il est 9h30. C'est ça. Donc c'est parfait pour aller à l'entre-deux là. C'est parfait. Mais la voiture est chargée donc tu roules doucement. C'est
reparti pour les vlogs dans la voiture. À l'époque, en 2021, la voiture, elle était très souvent comme ça, chérie. Ouais. Parce qu'on faisait des allers-retours tout le temps. Mais là, ce n'est pas un simple aller-retour, c'est un déménagement. Et du coup, comme vous pouvez le voir, bah, du coup, tu vois pas dans ton rétro arrière, là, chérie. Je ne vois strictement rien, je vois que à droite et à gauche, mais ça me suffit. Bon, ça va, l'entre-deux de Saint-Louis, c'est que 30 minutes de route. Donc voilà, la voiture est chargée pour un premier aller-retour. C'est parti! Avec le contrat, vous l'avez vu, on l'a signé, il est là, il y en a un sur chacun. Du coup, l'inventaire. Ah oui, ouais, ça va être un peu long, ça, peut-être. Comment ça passe, qu'on vient de faire? On a, l'état des lieux. L'état des lieux est terminé, voilà la propriétaire. Comment ça s'appelle ce qu'on vient de faire? Comment ça s'appelle quand même? Ça fait deux heures qu'on est dessus. Ouais, l'état des lieux est fini, la propriétaire très gentille voilà, vient de partir et là on a tout ça déchargé. Mais avant ça, raconte ce qui nous est arrivé parce que là c'est... Péripétie de ouf les gars. C'est qu'en fait on est, la maison où on est, elle est pas loin d'un sentier. Il y a des gens qui passent pour le sentier, tu vois. Voilà, on montre les gens. Oui, voilà, là. Bon, en gros. Et en fait, il y a une école, j'ai l'impression, un groupe de classe qui est passé. Et forcément, bah, c'est à un âge où les gens nous reconnaissent. Et on entend qu'ils nous reconnaissent, mais on est avec la propriétaire, on fait l'état des lieux de notre maison, notre nouvelle maison. Donc, tu vois, c'est pas forcément quelque chose qu'on veut qu'elle remarque, quoi. Bref, on entend, ah, monsieur, là, je suis craint. Oh là là, je me fais trop petit. Oh là là, on nous a vu, on fait là, c'est pas le moment. Ils ont fait le tour, la maîtresse, la prof. Ouais. Avec les jeunes, ils ont fait le tour jusqu'à l'entrée de notre propriété privée, de notre propriété privée maintenant, à ce jour. Ouais. Et en fait, elle était là, elle disait « oui » et tout. Et la propriétaire, elle ne comprenait pas, elle dit « je peux vous renseigner ?» Mais t'as dit « oh, pas de photo, on est occupé, c'est pro, enfin, c'est perso là, tu vois. » Chloé et moi, franchement, je pense qu'on refuse, mais très rarement, une photo, une vidéo. On est toujours là à faire du... Franchement, ça me fait plaisir quand vous nous rentrez dans la rue et tout. Mais, et je dis bien un mais, il y a certains moments de la vie où en fait on n'est pas obligé de faire des photos, des vidéos quand on a des rendez-vous pro, quand là par exemple on a un état des lieux et tout, où genre c'est pour nous c'est hyper c'est important. En fait, c'est perso, enfin c'est une propriété privée. C'est ça, c'est une propriété privée. On n'est pas dans un café ou dans une boulangerie là. Exactement. Les gens sont venus jusqu'au... Surtout c'est chez nous en fait, c'est chez nous et ouais. En fait les gars ça marche pas comme ça. Ouais. Donc je dis pas qu'on est des rostas ou je sais pas quoi, mais juste à un moment donné, il faut juste se séparer entre le côté dans la rue où vous nous voyez et on fait des photos avec plaisir, et quand on est chez nous en fait. Et je trouve que les gars, le fait de faire le tour de la maison pour venir à l'entrée de la maison avec votre prof pour dire ouais, on veut des photos, non, ça marche parce pas comme du ça. Du coup, la prof elle est partie. Ah bon, bah ils veulent pas, apparemment ils veulent pas. C'est ça, donc. Bah, c'est pas qu'on veut pas, c'est que là c'est pas le bah, moment. C'est chez nous, c'est pas le moment. On est chez nous, c'est pas le moment. Et juste il y a des moments, voilà, il faut pas. Alors, c'était hyper malaisant puisque la propriétaire comprenait pas trop. Ouais, la propriétaire, quoi, comprenait pas. Elle disait, mais du coup, mais qu'est-ce qu'ils veulent exactement et tout. Donc, voilà. C'était pas terrible, quoi. Donc, c'est une petite aparté par rapport à ça. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Non, c'est pas grave. Mais il y a des petits moments et tout où là, je le redis, franchement, c'est juste du perso. Où là, c'est notre vie perso aussi à nous parce qu'il faut qu'on vive aussi. Et des moments qui sont un peu malaisants. Voilà. Et ça a été un moment malaisant. Mais malgré tout ça, on est obligé de vous montrer la maison. On est content. Bah, bienvenue chez nous. Notre nouveau chez nous. On a une maison. Déjà, on step up. On est passé dans la porte à une maison. C'est ça. Petit jardin. J'ai dit à la propriétaire, vous voulez pas faire une piscine? Petit jardin. Alors là, c'est en train de pousser. Il faudra qu'on arrose. C'est notre mission. Arroser. Petite terrasse. Petite terrasse privée. Elle est sympa cette petite terrasse privée. On va prendre le petit déj ici. Ça va être sympa. Quand tu arrives, c'est une jolie cuisine, toute retapée. Il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment un meublé, genre on pose que nos valises, c'est trop bien. Voilà, là il y a de la place pour qu'on achète un lave-vaisselle. On va juste prendre un lave-vaisselle. Sinon, voilà. Un joli salon, épuré, grand, joliment décoré. T'aimes beaucoup ? Ouais, j'aime beaucoup. Est-ce que tu vas être à l'aise ici ? Ouais. Il y a une bonne onde. Déjà, rien que ça m'énerve, on marche avec nos chaussures. C'est pas mal. Bon, je vous montre la suite de la visite et... Donc là, faut que je fasse attention parce que sinon ça... Tu peux te... Voilà, je peux me faire mal. Ouais. Franchement, la Comprio, elle a hyper bien décoré ça. C'est juste c'est très très beau. On commence par la chambre d'amis. Vas-y. Donc voici la chambre d'amis.
Donc, pour toutes les personnes de notre famille, nos amis, ben voilà, c'est ici que vous allez dormir. J'aime beaucoup. Très sympa. Très sympa. Une belle petite commode. On a toilette séparée. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Il y a toilette séparée qui est bien décorée en plus. Mmh. Toilette séparée. Là, ici, on a la salle de bain. Donc, salle de bain. Le seul truc, c'est que c'est pas une douche. Parce que moi, je suis grand de taille. Mais franchement, la propriété, elle a géré de haut parce qu'elle a mis. Comment on appelle ça? Un rideau de douche. Un rideau de douche. On n'a pas les mots aujourd'hui. On n'a pas les mots aujourd'hui. Comment ça s'appelle ce qu'on vient de faire? Le bureau. L'état des lieux. T'as dit quoi? Le bureau, j'ai dit. Oui, là c'est le bureau, oui. Là c'est le bureau. Donc il faut qu'on le. On le modifie, on le change. Ça va être un endroit où on va travailler, faire du montage, faire nos vidéos. Ça va être le point pour faire pas mal de trucs. D'ailleurs, le bureau ici il est pas mal, sauf que moi, comme je suis grande de taille, je vais très vite cogner, donc on va racheter un meuble. Mais ici, il y aura plein de trucs, peut-être des appareils photo qu'on va poser ici, c'est nickel. Mm. Elle a vraiment bien fait ça. Franchement, pour le coup, j'allais dire, je vous conseille cette maison maintenant, j'habite dedans maintenant. J'habite dedans, donc ici, vous avez l'armoire, sympatoche. Ça va être mon petit dressing. Voilà, et enfin, la chambre de monsieur et madame Sucré. C'est mon petit... Tu fermes pour les babouks? Pour les petites fourmis et tout, ouais. Ah, ouais, je suis bien. Bon, après, comme d'hab, hein, quand on est grand, on dépasse. Hein. Mais ça change pas de sein, lui. Mm. Donc, je suis très très bien. Ça change pas de partout. Hein. Est-ce que t'as déjà eu un lit à ta taille? Le lit, il est un peu plus bas. Que, à Saint-Louis, le lit était un peu plus haut, donc c'était cool. Et là, il y a un petit squat à faire. Tu vas faire des squats pour aller faire pipi dans la nuit, quoi. C'est ça. C'est quoi les plans, là, mon cœur? Là, le plan, ça va être acheter du pain bouchon. Non, pas pain bouchon. Pain bouchon. Là, le plan, c'est pas acheter un pain bouchon. Faut vider la voiture de toutes les valises. Ah, j'ai oublié ça, putain. Et moi, j'ai envie de prendre le petit déj avant de parler de pain bouchon. Ah, mais j'avoue, le temps. On est à jeun, il est 11h. On a même pas pris le petit déj. Il est 11h10, on est à jeun, mon cœur. J'avoue. Je suis tellement bien, je vais pas venir de fond. J'ai le temps m'allonger, faire dodo. Allez, il faut venir. On profite de notre nouvelle maison. Les gars, ça fait trop du bien de trouver la maison que tu veux à La Réunion, quoi. Mmh. Genre là vraiment c'est magnifique. Mmh. Genre en plus t'as raison, il y a des bonnes ondes. Il y a des bonnes ondes et tout, ouais. C'est apaisant, c'est sympathique. Mais c'est la proprio, elle a vraiment amené des bonnes ondes. Des bonnes ondes et tout, franchement, on pouvait pas rêver mieux. Et je trouve aussi que là il y a une bonne température. Parce que du coup on n'a pas la clim. On n'a pas la clim comme à Saint-Louis, mais il fait très bon. Mmh. Genre là j'ai pas besoin de mettre de clim. Au pire, on a des ventilos, donc ça va. Mmh. Bah, l'entre-deux, il fait un peu plus frais. Ouais. On est à 400 mètres d'altitude. Du coup, il fait un peu plus frais, ça fait du bien. Mmh. Non, on va en prendre soin de cette maison. On aimerait bien rester une petite année. Ah, ça serait bien une année, ouais. Une année, c'est cool. Et là, c'est une maison où j'ai trop hâte de recevoir des gens, là. Ouais, de ouf. Avoir des invités, tu vois, qui restent. De ouf, ça va être cool. Ouais. On va faire une crémaillère, les gars, ça va être, ouais. Ça va être magnifique. On va inviter peut-être une dizaine de personnes. Mmh. On va faire ça dehors en... Ça va être cool. On pourra filmer d'ailleurs ça. Ah ouais, filmer notre crémaillère. On pourra filmer notre crémaillère, ça peut être sympa ça. Ouais, grave. Grave, grave. Allez, prends les valises. Tu vas prendre les valises. Oh, ça commence. Elle est contente parce qu'elle fait son café. Mais j'avais pas de machine à café en salle, Louis. Si, il y en avait une, mais elle était pas à dosette, chérie. Voilà. J'avais une machine à café. Donc là, on va se dépêcher rapidement. Bon, comme vous l'avez vu, il pleut un petit peu. C'était pas prévu. Je sais pas, on était chaud pour vider le coffre et tout, mais là, il pleut à l'inverse, en fait. Ouais, il y a une vraie pluie, donc je pense qu'on va aller prendre notre petite macacha. Petit déjeuner. Petit déjeuner dans notre nouvelle maison. On est content. Ouais, t'es content. Même s'il pleut, on est content. Ouais. Du coup, c'est un autre mood, l'entre deux. Oui, c'est un autre mood. Il y aura moins de soleil. Je pense qu'il y aura le soleil le matin et peut-être les nuages l'après-midi. Un truc comme ça, quoi. Un truc comme ça, quoi. Ça me va très bien. Tiens. Il se remet à pleuvoir. Un brioche au chocolat. Un brioche au chocolat? Ouais. Bon, non. Ça y est, on est parti récupérer le petit déj. Macacha. Macacha. Avec un petit poca.
Chocolat chaud, c'est à toi mon amour, on va manger. Il est temps de manger. Voilà, on est bien. Notre premier petit-déj, mon amour. Premier petit-déj? Normalement, c'est après l'effort, le réconfort. Mais là, franchement, c'est le réconfort avant l'effort. Parce qu'on a tout un déménagement à faire dans la voiture. Il y a toutes les valises encore. Oh, on n'a pas encore tout sorti. Vu qu'il s'est mis à pleuvoir, de base, on voulait le faire. Mais vu qu'il s'est mis à pleuvoir, on s'est dit, on attend que la pluie passe. Mais j'ai pas l'impression qu'elle va passer. C'est le moment de manger. Tu veux quoi, mon chat? Je veux mon petit déjeuner, madame. Pain, chocolat, banane, patate douce. C'est vrai? Magnifique. Comment ça, je t'ai fait peur? Pas confiance en ton homme? Bonjour, cher. Oui, j'ai entendu un chapeau. Ah, tu l'as entendu, ça. Ça y est, c'est la fin de journée. C'était une journée très très longue. Ouais, là le ménage ça m'a mis KO. On a un deuxième, là, la voiture elle est encore pleine, hein. Regardez. Ouais, il y a encore, encore des petits. On voit d'ici? Ouais, on voit. Mixeur, des cartons de chaussures et tout. Ça va. Donc là, notre mission c'est de finir de vider ça, prendre nos repères dans cette nouvelle maison, mon amour. Oui, ben, on a enfin notre petite maison à La Réunion. Ça y est. C'est ça, je vois, il y a des voisins qui nous regardent. Est-ce qu'on fait le tour des voisins pour des bonjours ou pas? C'est le lundi de la fée. Les gens me disent, mais c'est qui? C'est les nouveaux. Je te jure. C'est les nouveaux oreilles. Voilà. En tout cas, on est très contents. Ouais, on est franchement très contents. Malgré toutes les corvées, on a eu le smile toute la journée. C'est vrai. On est super contents quand même. Ça va. On mérite d'avoir une maison comme ça. Oui, oui, on travaille beaucoup et tout. Sachant que le montant du loyer est le même dans l'appartement Saint-Louis que cette maison à l'entrée. Parce que là, on est sur du 200 mètres carrés, compris avec le jardin, donc ça n'a rien à voir. Et oui, donc voilà. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a vraiment plu. Oui. Donc là, je crois que c'est l'aménagement partie 3 à La Réunion. Est-ce qu'il y en aura un 4, partie 4? Je pense que le 3, ça suffit. Ouais, je pense que ça suffit. Je pense que ça suffit au niveau des vidéos emménagement. En tout cas, on espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, partager pour les personnes qui veulent savoir comment se passe un aménagement à La Réunion. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Turn up! Peace out! C'est longtemps que je ne l'ai pas fait. J'avoue.